What a privilege for me to be here today. Quel privilège que pour moi d'être là aujourd'hui. I'm so so grateful to Je suis très très reconnaissant senior pastor, d'être un pasteur principal. Pastor senior. Felix. Je suis très reconnaissant envers votre pasteur principal, le pasteur Félix. Who received me in Senegal for the first time so well. Qui m'a reçu au Sénégal pour la première fois tellement bien. It has been my very first time to be outside of the airport and be in Senegal. Ça a été ma toute première fois que d'être hors de l'aéroport au Sénégal. So what a blessing for Pastor Felix to be my very first host. Quel privilège pour Pasteur Félix afin qu'il soit mon premier hôte. And I count it a real blessing. Et je considère cela comme une véritable bénédiction. Even for him to allow me to be in this first church to attend in Senegal. Et même le fait de m'accorder la grâce d'être là pour la première fois au Sénégal dans cette église que je visite pour la première fois. This will go a long way with memories. Cela ira dans cela fera un sujet d'archives. Of how I was received in this country. Sur comment est-ce que j'ai été reçu dans ce pays. So I want to honor the man of God. Alors je veux honorer l'homme de Dieu. And pray that God will continue to shine upon his life. Et prier afin que Dieu continue de briller sur sa vie. Amen. Praise the name of the Lord. Louez le nom du Seigneur. I bring greetings from Zimbabwe. Je vous apporte les salutations du Zimbabwe. Greetings from my wife. Des salutations de mon épouse. God has blessed me with one wife. Dieu m'a béni avec une épouse. And God has given us bonus or gifts. Dieu nous a donné des bonus ou des dons, des cadeaux. Three children. Trois enfants. Two boys. Deux garçons. And one beautiful girl. Et une très belle fille. So I was able to lead all of my children to the Lord. J'ai été capable de conduire tous mes enfants dans le Seigneur. At the age of 6. À l'âge de 6 ans. And my firstborn is now 26 years old. Et mon premier fils est maintenant âgé de 26 ans. And my second born is 21 years old. Et mon deuxième enfant a 21 ans. And my beautiful daughter is 18 years old. Et ma très belle fille a 18 ans. They've all gone through university and my daughter is still studying in university right now. Ils sont tous partis à l'université et ma fille est toujours à l'université actuellement. And they all love and serve the Lord. Et ils aiment tous et servent le Seigneur. My wife is preaching this morning. Mon épouse prêche ce matin. In the church back home. Dans l'église au pays. I wish I could put a picture of her on the screen. J'aurais souhaité mettre une photo d'elle sur l'écran. You wouldn't want to miss such a beautiful wife. Vous voudriez rencontrer une aussi belle femme. May God bless you this morning. Que Dieu vous bénisse ce matin. And may God enrich your hearts this morning. Et que Dieu puisse enrichir votre cœur ce matin. I just want to share some thoughts from the Word of God. Je veux simplement partager quelques pensées avec vous de la parole de Dieu. 1 Samuel chapter 10. 1 Samuel 10. From verse 1. Du verset 1. I am going to read. Je vais lire. Then Samuel took a vial of oil and poured it upon his head. Je lis la parole de Dieu. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. In other words, Samuel took a jar of oil. Entre autres, Samuel a pris une fiole d'huile. And poured it upon the head of Saul. Et l'a répandu sur la tête de Saül. And kissed him. Et le baisa. And he said, et dit, is it not because the Lord has anointed you to be captain over his inheritance? L'Éternel
Ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef sur son héritage? When you depart from me today, aujourd'hui, après m'avoir quitté, when you depart from me today, aujourd'hui, après m'avoir quitté, then thou shalt find two men, tu trouveras deux hommes, by Rachel's sepulchre, près du sépulcre de Rachel, at the border of Benjamin and Zeiza, sur la frontière de Benjamin à Tselchat, and they will say to you, et ils te diront, the donkeys that you have been looking for have been found. Les ânes que tu es allé chercher sont retrouvés. Your father is worried about you. Et voici, ton père ne pense plus aux ânes, mais il est en peine pour vous. Then you shall go forward from there. Et dis, que dois-je faire au sujet de mon fils? Okay. Next verset suivant, s'il vous plaît. And you shall come to the plain of Tabor. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor. And they shall meet thee there, men going up to God to Bethel. Et tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel. Carrying three kids. Et portant l'un trois chevreaux. Another carrying three loaves. L'autre trois gâteaux de pain. And another carrying a bottle of wine. Et l'autre une outre de vin. And they will salute thee. Ils te demanderont. And give you two loaves of bread. Et ils te donneront deux pains. Which you will receive of their hands. Que tu recevras de leurs mains. And after that you shall come to the hill of God. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim. At the garrison of the Philistines. Où se trouve une garnison de Philistins. And it shall come to pass, et en entrant dans la ville, when thou art there to the city, en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. You will meet a company of prophets. Tu rencontreras une troupe de prophètes. Coming down from the high places. Descendant du haut lieu. And they will be singing with all kinds of instruments. Précédé de luth, de tambourin et de la flûte et de la harpe. And they shall prophesy. Et prophétisant eux-mêmes. And the Spirit of God shall come upon you. Et l'Esprit de Dieu te saisira. And you shall prophesy with them. Tu prophétiseras avec eux. And you will be turned into another man. Et tu seras changé en un autre homme. And let it be. Lorsque ces signes auront eu. When these signs come to you. Lorsque ces signes auront eu lieu pour toi. For God is telling you that he is with you. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. You shall go before me to Gilgal. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Behold, I will come down to you. Et voici, je descendrai vers toi. And offer sacrifices and peace offerings. Pour offrir des holocaustes et des sacrifices. Seven days shall you shall you stay. Tu attendras sept jours. Till I come to be with you. Jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi. And it was so. Et que je te dis ce que tu dois faire. And when he turned back to go from Samuel. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel. God gave him another heart. Dieu lui donna un autre cœur. All those signs came to pass that day. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. And when he came to the hill. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibea, behold, a company of prophets. Voici une troupe de prophètes. Met him. Vint à sa rencontre. And the Spirit of God was upon him. L'Esprit de Dieu le saisit. And it came to pass. Et il prophétisa. All that knew him. Et il prophétisa au milieu d'eux. Before. Donc tous ceux qu'il avait connus auparavant. So that, behold, he prophesied among prophets. Virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Then the people said one to another. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Is Saul also among the prophets? Qu'est-il arrivé au fils de Kis, Saul, est-il aussi parmi les prophètes?
May God bless the reading of His word. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Let us pray. Prions. Heavenly Father, we are so grateful to you this morning. Notre Père céleste, nous sommes reconnaissants à toi ce matin. For the divine anointing. Pour l'onction divine. That cover this place. Qui recouvre cet endroit. And I pray that you may raise this anointing. Je prie que tu puisses élever cette onction. In this place. En ce lieu. To a higher level. À une autre dimension. May you bless. Puisses-tu bénir. The words of my mouth. Puisses-tu bénir les paroles qui sortiront de ma bouche. And the meditation of my mind. Et la méditation de mon esprit. And let your words be acceptable before your people. Et laisse que ta parole soit acceptée par ton peuple. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the name of the Lord Louez Jesus. Louez le nom du Seigneur Jésus. I want to share some thoughts with you today. J'aimerais partager quelques pensées avec vous aujourd'hui. About divine favor. Au sujet de la faveur divine. It is important. C'est important. To realize that when we get born again. De réaliser que lorsqu'on est de nouveau. We receive the grace of God upon our lives. Nous recevons la grâce de Dieu sur notre vie. To be turned into a new person. Pour être transformé en une nouvelle personne. The Bible says if a man is in Christ. La Bible dit que si un homme est en Christ. He is a new creature. Il est une nouvelle créature. Behold, all things have passed away. Voici, toutes les choses anciennes sont passées. And all things have become new. Et toutes choses sont devenues nouvelles. So that means when you receive Jesus Christ. Cela signifie que lorsque vous recevez Jésus-Christ. God has changed you. Dieu vous a changé. From the background of your family. Dieu vous a changé du background de votre famille. To a new background. Pour un nouveau background. To a godly background. Pour un background divin. You are now back. Vous êtes maintenant, vos arrières sont assurées. To a new status. Pour un nouveau statut. You are a new creation. Vous êtes une nouvelle création. You are a new person. Vous êtes une nouvelle personne. And you operate under divine favor. Et vous opérez en dessous de la faveur divine. God gives you a special favor. Dieu vous accorde une faveur spéciale. Because you are now belonging to Him. Parce que maintenant vous lui appartenez. You are a child of God. Vous êtes un enfant de Dieu. So when you are a child of God. Alors lorsque vous êtes un enfant de Dieu. You receive divine favor in your life. Vous recevez la faveur divine dans votre vie. Praise the name of the Lord. Louez le nom du Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Now the story that we have just read about. Donc l'histoire que nous venons à peine de lire. It's the story of Saul. C'est l'histoire de Saül. Saul was the son of Kish. Saül était le fils de Kish. Out of the tribe of Benjamin. De la tribu de Benjamin. It was one of the poor tribes of Israel. C'était l'une des plus pauvres tribus d'Israël. And the story behind is that Kish had lost his donkeys. Et l'histoire qui s'y trouve derrière que Kish avait perdu ses ânes. So you can begin to see that the things that Kish owned. Vous pouvez commencer à voir que les biens que possédait Kish. Does not make him a rich man. Ne font pas de lui un homme riche. Nobody can be a rich man when he owns donkeys. Personne ne peut être riche s'il a des ânes. So this was a very poor family. Alors cette famille était une famille véritablement pauvre. And out of their poverty, they lost the little that they had. Et dans leur pauvreté, ils avaient perdu le peu qu'ils avaient. So he sent his son. Alors il a envoyé son fils. By the name Saul, appelé Saül, and his servants, et ses serviteurs, to go and look for the donkeys. Il envoyait ses serviteurs aller chercher les ânes. So Saul had been walking in the wilderness. Alors Saul a passé son temps à marcher et les chercher dans le désert. Looking for his father's donkeys. Cherchant les ânes de son père. And as he was looking for his father's donkeys, et alors qu'il cherchait les ânes de son père, he came to a point when he was really tired. Il est arrivé à un niveau où il était vraiment fatigué. Because he could not find the donkeys. Parce qu'il ne pouvait pas les trouver. Praise the name of the Lord. Louez le nom du Seigneur.
Now, when he was tired, alors qu'il était fatigué, then a suggestion came. Alors une suggestion est venue à lui. That in this region, que dans cette région, there is a seer. Il y a un voyant. There is a prophet of God. Il y a un prophète de Dieu. Can we go and inquire to that man? Pouvons-nous aller vers cet homme et lui demander about this predicament, about this problem that we have? Le consulter pour ce problème que nous avons. That's when they went to the prophet Samuel. Alors qu'ils sont allés vers le prophète Samuel. So when they went to the prophet Samuel. Alors lorsqu'ils sont allés vers le prophète Samuel. Things started changing. Les choses ont commencé à changer. Things are going to change for your life. Les choses vont changer pour votre vie. Every man of God that comes your way. Tout homme de Dieu qui vient vers vous sur votre yes, chemin. Yes, the anointing to make some people see greater heights in their lives. Point pour faire en sorte que des personnes rencontrent une autre dimension dans leur vie. Praise the name of the Lord Louez Jesus. Louez le nom du Seigneur Jésus. Even though Saul was coming from a poor background. Bien que Saul revenait d'un background très pauvre. But when he went to see this man. Lorsqu'il est allé voir cet homme. The Bible says. La Bible dit. When he met this man. Lorsqu'il a rencontré ces hommes. The prophet of God. Cet homme, le prophète de Dieu. He took a jar of oil. Il a pris une fiole d'huile. Praise the name of the Lord. Louez le nom du Seigneur. And anointed him. Et l'a oint. Hallelujah. Hallelujah. And when he anointed him. Et lorsqu'il l'a oint. He started speaking some words to him. Il a commencé à déclarer des paroles à son endroit. Glory, glory to his name. Gloire, gloire, gloire à son nom. Hallelujah. Hallelujah. God has got so many people. God has got many people. Dieu a tellement de personnes. That had nothing. Dieu a choisi tellement de personnes qui n'ont rien. And he turned them to become something. Et il les a changés, transformés pour devenir quelque chose. If you look at the life of Joseph. Si vous regardez à la vie de Joseph. He was a young person. C'était une jeune personne, un jeune homme. Sold by his brothers. Vendu par ses frères. Sold to the Midianites. Vendu aux Madianites. Taken to Egypt. A été emmené en Égypte. And in Egypt he was taken to prison. Et en Égypte il a été mis en prison. But God's favor. Mais la faveur de Dieu. God's divine favor. La faveur divine de Dieu. Raised him. L'a élevé. From prison to palace. De la prison au palais. May there be favor in your life today. Je prie qu'il y ait la faveur sur votre vie aujourd'hui. To lift you up out of your predicament. Pour vous enlever de vos problèmes aujourd'hui. To lift you up out of your situation. Pour vous sortir de la situation que vous traversez aujourd'hui. When everybody else had forgotten about Joseph. Lorsque tout le monde avait oublié au sujet de God's Joseph. Divine favor was upon his life. La faveur divine de Dieu était sur sa vie. When he entered the house of Potiphar. Lorsqu'il est rentré dans la maison de Potiphar. When he was working in that house. Alors qu'il travaillait dans cette maison. The favor of God was upon his life. La faveur de Dieu était sur and sa vie. God promoted him. Et Dieu lui a accordé la promotion. To become the key person. Pour être la personne in charge of the household of Potiphar. Ayant la charge sur tous les biens because de Potiphar. Of the divine favor. À cause de la faveur divine. May God raise someone today in this church. Que Dieu élève quelqu'un aujourd'hui dans who cette église. Who has been rejected and sold. Qui a été rejeté et who vendu. Has been denied the opportunities. Dans les opportunités lui ont été may refusées. God overtake those the opportunities. Que Dieu reprenne ces opportunités and show you divine favor. Et qu'il vous accorde sa faveur divine. So that he can raise you out of that situation. Vous élever de cette situation. And open opportunities. Et ouvrir des portes d'opportunités. That we have never seen before. Que vous n'avez jamais because vu auparavant. Because God is a God of divine favor. Parce que Dieu est un Dieu de la faveur divine. Praise the name of the Lord Jesus. Louez le nom du Seigneur Jésus. I feel the anointing je of divine favor. Je sens la faveur divine. Some people that God is going to raise. Il y a des personnes que Dieu va élever. In this church. Dans cette église. And turn them into another man. Because of divine favor. À cause de la faveur divine.
Praise the name of the Lord Jesus. Louez le nom du Seigneur Jésus. Hallelujah. Hallelujah. You may have been forgotten. Tu as peut-être été oublié. You may have been denied opportunities. Les opportunités ont été refusées. But the favor of God is going to sweep over you. Mais la faveur de Dieu va descendre sur toi. And lift you up. Et va t'élever. Praise the name of the Lord Jesus. Louez le nom du Seigneur Jésus. I'm reminded of David. Je me souviens de David. Hallelujah. Hallelujah. David was a forgotten child. David était un enfant oublié. When God was looking for someone to anoint, lorsque Dieu recherchait un homme, sending the prophet Samuel, il envoyait le prophète Samuel. Even when Jesse called his sons, même lorsque Jesse a appelé ses fils, to stand before the man of God, pour se tenir auprès de l'homme de Dieu, David was not accounted. David n'était pas parmi ses fils. David was not counted. David n'était pas compté parmi. He was left back and beyond. Il avait été laissé derrière et très loin. Looking after the sheep. Veillant sur le troupeau. And the prophet Samuel went through seven sons. Jusqu'à ce que le prophète Samuel and the spirit of God did not find someone to anoint. Et l'esprit de Dieu n'a trouvé personne à oindre. And Samuel said to Jesse. Et Samuel a dit à Jesse. Is there not another son? N'y a-t-il pas un autre fils? But David was there out in the bush. Mais David était dans la brousse. Looking after the sheep. Veillant sur le troupeau. And was never considered to be anything. Et il n'avait jamais été considéré pour quoi que ce soit. Forgotten by the systems of this world. Forgotten by the systems of this world. Oublié par le système de ce monde. I want to tell you, brothers and sisters. Je veux vous dire, frères et sœurs. You may have been forgotten by the systems of this world. Vous avez été oublié par le système de ce you monde. You may have been forgotten by the key people in this country. Vous avez été oublié par les personnes but clés de ce God's pays. Favor has never forgotten mais la faveur de Dieu ne t'a jamais oublié. God's favor will never forget you. La faveur de Dieu ne t'oubliera jamais. So when David was back and behind, lorsque David était derrière, the spirit of God spoke to Samuel. L'esprit de Dieu a parlé said, à Samuel. I cannot anoint these connected ones. Je ne peux pas oindre ces hommes. There is someone. Il y a quelqu'un. Who is forgotten? Qui a été oublié? Is there not another son? N'y a-t-il pas un autre fils? And Jesse said, there is a small boy. Il y a un petit enfant. Out in the woods. Dans les bois. I am speaking to the forgotten one in this church today. Je m'adresse à ceux qui sont oubliés en ce lieu. That your time has come. Que votre temps est arrivé. For God to take you out of the background. Que Dieu vous sorte du and fond. Bring you to the limelight. Et vous emmène vers l'avant. Take you out of the background. De l'arrière. And bring you to the limelight. Vers l'avant. Because there is a divine favor upon your life. Une faveur divine sur votre vie. So they went to the forest. Alors ils sont allés en forêt. Everything was stopped. Tout avait été arrêté. The procession was stopped. And they were waiting for David. Et ils attendaient David. The shepherd boy. Le berger. Who was smelling sheep. Qui sentait le to troupeau. Come venir, into the system. Pour venir assister à la cérémonie. Praise the name of the louez Lord. Le nom du Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. And when David came. Et lorsque David est arrivé. Hallelujah. Hallelujah. And the prophet said yes. Et le prophète a dit oui. He is the one. C'est celui-là. He is the one. C'est celui-ci. 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 Hallelujah. Hallelujah. So people may forget you. Alors les gens peuvent t'oublier. People may not recognize you. Les gens peuvent ne pas te reconnaître. People may not say something good about you. Les gens peuvent ne pas dire de bonnes choses. But the favor of God is going to locate you. Mais la faveur de Dieu va vous localiser. Praise the name of the Lord. Louez le nom du Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. I'm reminded of Esther. Et je me souviens d'Esther. She was a slave girl. Elle était une esclave. Taken care of by Mordecai. Mardochée prenait soin d'elle. Hallelujah. Hallelujah. Without any background. Sans avoir un background. But she was a listener. Mais elle était quelqu'un qui écoutait. Willing to save. Prête à servir. Willing to do whatever Mordecai was saying to her. Prête à faire quoi que ce soit. Willing to sit under leadership. Elle était prête à se soumettre au leadership. Willing to learn from the leaders. Elle était prête à apprendre des leaders. And God raised her. Et Dieu l'a élevée. To become the queen. Pour devenir la reine. Hallelujah. Hallelujah. I can see queens je peux voir des reines qui sont en train d'être élevées en ce lieu.
God is raising queens. Dieu élève des reines. You are not going to be the tail, you are going to be the head. Tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I prophesy. Je prophétise. That God may raise queens. Que Dieu puisse élever des reines. In this church. Dans cette église. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Praise the name of the Louez Lord Jesus. Louez le nom du Seigneur Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Hallelujah. Hallelujah. So when Saul Alors lorsque Saül stood before Samuel, s'est tenu devant Samuel, Samuel took a jar of oil. Samuel a pris une fiole d'huile. Which is a sign of favor. Qui est un signe de la faveur. And anointed him. Et l'a oint. And said, et a dit, God, Dieu, his favor, la faveur de Dieu, is upon you, est sur toi. He has raised you, il t'a élevé, to become the commander, pour devenir le commandant, of the inheritance, de son héritage. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Now, number one. Donc, numéro un. We see the anointing, the favor to receive what you are not looking for. Nous voyons l'onction et la faveur pour recevoir ce que tu ne cherches pas. We see a favor. Nous voyons une faveur to receive pour recevoir what you are not looking for. Ce que vous n'êtes pas en train de chercher. God is going to surprise someone today. Dieu va surprendre quelqu'un aujourd'hui. He is going to give you something. Il va te donner quelque chose. Much greater than what you have ever asked for. Plus grand que ce qui t'est déjà arrivé. Much powerful. Plus puissant. Than whatever you have prayed for in your life. Plus puissant que ce pour quoi tu as prié. I know many of you have been praying. Je sais que plusieurs d'entre vous ont prié. Crying to God. Qui ont prié à Dieu. But the favor of God. Et la faveur de Dieu. Is going to give you something. Vous donnera quelque chose that you have never asked before. Que vous n'avez jamais demandé auparavant. Praise the name of the Lord. Louez le nom du Seigneur. Saul was looking for donkeys. Saül était en train de chercher des ânes. But he was anointed to become the commander. Mais il a été oint pour devenir to le commandant. The captain. Pour devenir le capitaine. To become the head, pour devenir la tête. Praise the name of the Lord. Louez le nom du Seigneur. When he was looking for the donkeys, alors qu'il cherchait les ânes, he was anointed to become the king. Il avait été oint pour devenir le roi. Wow. 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 When I'm looking for something, alors que je suis en train de chercher quelque when chose, I'm searching for something, lorsque je cherche quelque chose, but God gives me something bigger, et Dieu me donne quelque chose de plus than grand, that which I am searching que ce for. Que je suis en train de chercher. May God raise commanders. Que Dieu puisse élever des commandants. In this church. Dans cette église. May God raise commanders. Que Dieu puisse élever des commandants. In this church. Dans cette église. I can see commanders. Je peux voir des commandants. In the field of education. Dans le domaine de l'éducation. I can see commanders. Je peux voir des commandants. In the government ministry. Dans le gouvernement. I can see commanders. Je peux voir des commandants. In the field of medicine. Dans le milieu de la médecine. I can see commanders. Je peux voir des commandants. In the field of farmers. Dans la ferme. I can see commanders. Je peux voir des commandants. In the field of mining. Glory to Jesus. Gloire à Dieu. May God raise commanders. Puisse Dieu élever des commandants. May God raise commanders. Puisse Dieu élever des commandants. May God raise commanders. Puisse Dieu élever des commandants. May God raise commanders. Puisse Dieu élever des commandants. May God raise commanders. Puisse Dieu élever des commandants. May God raise commanders. Puisse Dieu élever des commandants. In this church. Dans cette église. Praise the name of the Lord. Louez le nom du Seigneur. Praise the name of the Louez Lord. Louez le nom du Seigneur. May God raise commanders in this church. Puisse Dieu élever des commandants dans cette église. Praise the name of the Lord Jesus. Louez le nom du Seigneur Jésus. Praise the name of the Lord Louez Jesus. Louez le nom du Seigneur Jésus. Hallelujah. 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 God is going to give you. Dieu te donnera. What you have never asked before. Ce que tu n'as jamais demandé auparavant.
Much bigger. Plus grand. Much stronger. Plus fort. Much better. Meilleur. Than what you are looking que for. Ce que tu cherches. Praise the name of the Lord Louez Jesus. Le nom du Seigneur Jésus. I love that God. J'aime ce Dieu. Who knows what we need? Qui sait ce dont nous avons before besoin? We even ask for it. Avant que nous ne demandions. Hallelujah. Hallelujah. God is raising an army. Dieu est en train d'élever une armée. He's raising commanders. Il élève des commandants. Powerful people. Des hommes puissants. Kings. Des rois. The head, not the tail. Des têtes et non des queues. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. But he also said. Mais il a également dit. The donkeys. Les ânes. That you have been looking for. Que tu cherches. You have been found. Ont été trouvés. Hallelujah. 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 The favor. La faveur. To receive. Pour recevoir. What you have been looking for. Ce que tu as pendant longtemps cherché. God gives you favor. Dieu vous donne la faveur. To receive what you have not been looking for. Pour recevoir ce que vous n'avez pas but cherché. God also gives you favor. Mais Dieu vous donne également la faveur. To receive. Pour recevoir. What you have been looking for. Ce que vous étiez en train de chercher. What a double portion. Quelle double portion. May God bless this church with a double portion. Que Dieu bénisse cette église avec une double portion. May God bless this church. Que Dieu bénisse cette église. With a double portion anointing. Avec l'onction de la double portion. Let the Holy Spirit fill this place. Que le Saint-Esprit remplisse ce lieu. So that people may not have a place to stay. Afin to que sit. Plus personne ne trouve un endroit où se tenir. Let there be many souls. Laissons qu'il y ait plusieurs âmes. Let there be many people. Qu'il y ait plusieurs personnes. Let there be many blessings. Qu'il y ait plusieurs bénédictions. Upon this church. Dans cette église. Let there be many people. Qu'il y ait plusieurs personnes. Let there be many souls. Qu'il y ait plusieurs âmes. Let God open the hearts. Que touche les cœurs. Of many people. Que touche les cœurs de plusieurs let personnes. Que cette église may be a beacon of hope. Puisse être une espérance. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. More souls. Plus d'âmes. More souls. Plus d'âmes. More souls. Plus d'âmes. More souls. Plus d'âmes. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Because God is raising commanders. Parce que Dieu est en train d'élever des commandements. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Anointing. L'onction. Favor. La faveur. To recover. Pour recouvrer. What you have lost. Que vous avez perdu. I remember the story of David. Je me souviens de l'histoire de David. When he went to fight a war. Lorsqu'il est allé à la bataille. And he came back to Ziklag. Et il est revenu à Ziklag. And he found his family. Et il s'est rendu compte que sa famille. His people. Son peuple. They were taken over. Avaient été enlevés. As captive by the enemy. Par l'ennemi. And he went before God. Et il est allé devant Dieu. And he said, God. Et il dit Dieu. Can I pursue? Puis-je aller? Can I recover? Vaincrai-je? Est-ce que je and God says, go and et pursue. Et Dieu dit va et combat. And tu he vaincras. Went and pursued the Et il est allé enemy. Et il a vaincu l'ennemi. And he recovered everything. Et il a tout retrouvé. That the enemy had taken. Il a récupéré tout ce que l'ennemi avait pris. May God bring back. Que Dieu ramène. Everything that you have lost. Tout ce que tu as perdu. In this church, dans cette église, in your lifetime, dans ta, en temps, le temps de ta may vie, God bring back puisse Dieu apporter everything à nouveau that the enemy has taken, ce que l'ennemi a pris in your lifetime, dans ta vie. May you recover all, puisses-tu tout recouvrir, may you get everything, que tu puisses recevoir tout. Hallelujah. Amen. Louez le nom du Seigneur Jésus. Praise the name of the Lord Jesus. Louez le nom du Seigneur Jésus. Praise the name of the Lord Jesus. Louez le nom du Seigneur Jésus. Praise the name of the Lord Jesus. Louez le nom du Seigneur Jésus. Hallelujah. Hallelujah. May marriages be recovered. Que les mariages soient restaurés. May jobs be recovered. Que les emplois soient restaurés. Those that have lost jobs. Paul a dit, j'ai perdu le emploi. May you recover a better job. Puisses-tu retrouver un meilleur emploi. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Those that have lost opportunities. Ceux qui ont perdu des opportunités. May you recover better opportunities. Puissiez-vous retrouver de nouvelles opportunités. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Those that have lost
families, ceux qui ont perdu des familles, may you recover better families, puissiez-vous retrouver de meilleures familles, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus. Glory, gloire to God, gloire à Dieu. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus, gloire à Jésus. Hallelujah, hallelujah. And the prophet said, et le prophète dit, when you leave this place, lorsque tu quitteras cet endroit, you shall meet three men, tu rencontreras trois hommes. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus, gloire à Jésus. Hallelujah, 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 hallelujah. And when you meet them, they will salute you. Et lorsque tu les rencontreras, ces personnes te salueront. Wow, wow. They will salute you. Ces personnes te salueront. When you meet these men, lorsque tu rencontreras ces hommes, they will salute you. Ces hommes te salueront. Favor, la faveur. To receive, pour recevoir. Respect, le respect. And provision et upon la provision your life, sur ta vie. Hallelujah, hallelujah. There is a favor, et il dit la faveur, that is coming your way, qui vient vers toi. Il y a une faveur qui vient vers toi. To receive, pour recevoir. People, des personnes, that are your destiny connectors, qui sont vos connecteurs de destinée. Connexion de destinée. They will salute you. Ces personnes vous salueront. And they will have things in their hands. Et auront des choses dans leurs mains. Hallelujah. 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 The Bible says that the other one will be holding three loaves of bread. Il dit que ces hommes avaient trois portions de pain. And he will give you two. Et ils t'en donneront deux. Wow. Wow. He will give you two. Ils t'en donneront deux. And remain with one. Et ils vont rester avec une seule portion. Double favor is coming your way. Cette faveur vient vers toi. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. You are going to meet someone. Tu vas rencontrer quelqu'un. With a job opportunity. Avec une opportunité d'emploi. And he's going to give you your job. Et il va te donner ton travail. And a bigger salary. Et un meilleur, un plus grand salaire. Double opportunity is going to come your way. Une opportunité double vient sur this toi. This person. Cette personne. When they meet you. Lorsqu'elle te rencontre. They will salute elle you. Elle te saluera. They will give you respect. Cette personne te donnera du respect. There is someone in this church. Il y a quelqu'un dans ce lieu. Who has been looking for a man? Qui a cherché, qui cherche who un homme? Who has been looking for a husband? Qui cherche un mari? Someone to marry. Quelqu'un à épouser. I want to tell you that your time has come. Je veux te dire que ton temps est arrivé. You will meet a godly man. Tu rencontreras un homme who de Dieu. Will salute you. Qui te saluera. And who will give you favor. Et qui te donnera la faveur. Who will give you two loaves. Qui te donnera deux morceaux de pain. Il sera avec une portion. They will always consider you. Ils te considéreront toujours comme une personne spéciale. They will always consider you. Ils te considéreront toujours as a special anointed person. Ou un spécial. The favor of God. La faveur de is Dieu going to be upon your life. Sera sur ta vie. In the name of dans Jesus. Le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Where you have been rejected, où tu as été rejeté, people are going to love you. Les gens vont t'aimer. People are going to salute les you. Gens vont te saluer. Where you have been not accepted, là où tu n'as pas été accepté, people are going to receive you. Les gens vont te recevoir. People are going to bless you. Les gens vont te bénir. People are going to minister to les you. Gens vont prendre ministère people are à going toi. To give you gifts. Les gens vont te donner des cadeaux. Louez le nom de Jésus. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Divine provision. La provision divine. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. As a child of God, en tant qu'enfant de Dieu, you are going to walk in divine favor, tu vas marcher dans la faveur divine and receive divine provision, et tu vas recevoir la provision divine. Where there are no opportunities, où il n'y a pas d'opportunités, there will be opportunities il y aura for des you, opportunités pour because toi. God will set on the way, parce que Dieu fera le chemin, men with your opportunities, le chemin pour que tu rencontres des hommes avec des opportunités. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. There are angels coming your way. There are angels. Il y a des anges qui viennent vers vous. Coming your way. Qui viennent sur votre chemin. With a blessing. Avec une bénédiction. And divine favor. Et la faveur divine. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Blessings and divine favor. Et bénédiction et la faveur divine. Your life. Sur ta vie pleinement. Hallelujah to Hallelujah. Jesus. Hallelujah to Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah to Jesus. Jesus. Hallelujah, hallelujah to Jesus. Hallelujah, Jesus.
May your helpers puisse vos aides come your way. Venir vers votre, sur votre chemin. May those that have a desire to help you que ceux qui ont le désir de t'aider come your way. Viennent vers toi. Amen. Before the end of this week, avant la fin de cette semaine, somebody in this quelqu'un dans cette église is going to meet his divine help. Rencontrera son aide divine. Amen. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Your divine helper, votre aide divine, is standing on the way. Est sur le chemin. To give you two, pour vous donner deux, double portion, de une portion double, blessing, de bénédiction, and they will remain with one. Et ils resteront avec une portion. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord Jesus. Louez le nom du Seigneur Jésus. Hallelujah. Hallelujah. May God help you. Puisse Dieu vous aider. To walk in divine favor. Afin de marcher dans la faveur divine. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Promotion. La promotion. Does not come from the east. Ne vient pas de l'est. Or from the west. Ou de l'ouest. It comes from the Lord. Elle vient de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. And he said to thee, to Samuel, to Saul. Et il dit à Saül. As you continue to walk. Alors que tu continues à marcher. After receiving divine favor, après avoir reçu la faveur divine, you will meet also prophets. Tu rencontreras également des prophètes. Oh, my goodness. Oh mon Dieu. Oh, from glory to glory. Oh, de gloire en gloire. Hallelujah. Hallelujah. The blessings of the Lord are yes. Les bénédictions du Seigneur sont oui and et amen. Et amen. You are meeting people who favor you. Tu vas rencontrer, tu rencontres des personnes qui te favorisent. But after meeting people who favor you, mais après les avoir, prophets. Après avoir rencontré ces personnes qui t'ont favorisé, tu vas également rencontrer and des prophètes. And when you meet these prophets, et lorsque tu rencontreras ces prophètes, the spirit of the Lord is going to come upon you. L'esprit de Dieu viendra sur toi. Wow. 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 The spirit of the Lord. L'esprit du Seigneur is going to come upon you. Viendra sur toi. And that spirit is going to turn you into another man. Et cet esprit va te transformer en un autre homme. Wow. Wow. Do you know that God is not only interested in what he gives you? Savez-vous que Dieu n'est pas seulement intéressé par ce qu'il vous donne? But he is much more interested in the anointing upon you. Mais il est plus intéressé par l'onction sur votre vie. You can receive from anointing. Vous pouvez recevoir de l'onction. But if you don't have the anointing yourself, mais si vous n'avez pas l'onction vous-même, if the spirit of God is not upon you, si l'esprit de Dieu n'est pas sur vous, you will run dry at some point. Vous serez sec à un certain niveau. But God wanted to make sure, mais Dieu voulait se rassurer, that he did not just receive the favor, qu'il n'a pas seulement reçu la faveur, but he also received mais the qu'il spirit reçoive également l'Esprit de Dieu. May the spirit of God fill each one of que you l'Esprit today. De Dieu remplisse chacun d'entre vous ici présent. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus. May the spirit of God que l'Esprit de Dieu fill each one of you today. Remplisse chacun d'entre vous aujourd'hui. Do you know what the spirit of God does? Vous savez ce que l'Esprit de Dieu fait? When he fills you, lorsqu'il vous remplit, he turns you into another person. Il change en une autre personne. He changes your life. Il change votre vie. God is interested in change in your life. Dieu est intéressé par le changement dans ta vie. Because he gives you the spirit of God. Parce qu'il te donne l'esprit de Dieu. Change you. Il te to change. Become another person. Pour devenir une autre personne. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. So he met alors, the prophets. Alors il a rencontré les prophètes. And the spirit of God came upon him. Et l'esprit de Dieu est descendu sur lui. And he began to prophesy. Et il a commencé à prophétiser. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. May this church be full of prophets. Puisse cette église être remplie de prophètes. May the prophetic utterances of God. May the prophetic utterances. Que le don prophétique be upon this church today. Puisse être sur cette église. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. So the people that used to know alors les personnes qui connaissaient Saül, when they saw him, lorsque ces personnes l'ont vu,
they could not recognize him. Elles n'ont pas pu le reconnaître. Because God has turned him into another. Parce que Dieu l'avait changé en un homme nouveau. I want to tell you, brothers and sisters. Je veux vous dire, frères et sœurs. People that knew you. Les gens qui vous connaissaient. Will never know you again. Ne vous reconnaîtront plus jamais. Because God will have turned you into another. Parce que Dieu vous aura déjà changé en un autre homme. What they saw you eating. Ce qu'ils vous voyaient manger. Some of you. Certains d'entre vous. Some people will see you on national television. On national television. Certains d'entre vous verront au niveau de la radio télévision. Having a wedding. Avoir votre mariage. With a celebrity. Avec une célébrité. And they will say, is that person? Et ces personnes diront, est-ce cette personne? The one that we used to see there. La personne qu'on voyait. And they will say, no, she must not be the one. Non, certainement ce n'est pas elle. And they will start arguing among themselves. Donc, commencer à argumenter avec eux-mêmes. Be ready for a miraculous sign to take place in your life. Sois prêt pour un signe miraculeux qui se prend place dans ta vie. Because God is turning people into another man. Parce que Dieu est en train de changer des personnes en de nouvelles personnes. What they knew you. Ceux qui te connaissaient. They will never think of you again. Ils ne penseront as the old plus person. Jamais à toi comme cette vieille personne. Because cette God ancienne will personne. Turn you into a new person. Parce que Dieu te changera en un homme nouveau. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. May God give you the anointing. Puisse Dieu vous accorder l'onction. To turn into another person. Pour changer en une nouvelle personne. So that he can silence the mouths afin qu'il of puisse, your enemies. Afin qu'il puisse fermer la bouche de vos ennemis. May God silence. Que Dieu ferme la bouche. The mouths of your enemies. De vos ennemis. Because you will be different. Parce que vous serez différent. You will be at a higher level. Vous aurez une autre dimension. You will be elevated. Vous serez élevé. God. Dieu. Silence. Le silence. The mouths. Que Dieu of these people's enemies. Que Dieu ferme la bouche de in vos ennemis. In the name of dans Jesus. Dans le nom de Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. They said, "Is Saul also among prophets?" Et ils ont dit, "Est Saül également est-il parmi les prophètes?" Yes. Oui. God is going to surprise you. Dieu va te surprendre. Are you ready for God's surprise? Est-ce que vous êtes prêt pour la surprise de Dieu? Are you ready for God's surprise? Est-ce que vous êtes prêt pour la surprise de Dieu? Are you ready for God's surprise? Est-ce que vous êtes prêt pour la surprise de Dieu? God is going to surprise you. Dieu va vous surprendre. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. May God bless you today. Puisse Dieu vous bénir aujourd'hui. May God minister to your puisse heart Dieu today. Rendre ministère à votre cœur May aujourd'hui. God change your life completely. Puisse Dieu changer votre vie complètement. So that your enemies will be silenced. Afin que vos ennemis soient réduits au silence. When they see the goodness and lorsqu'ils the greatness verront of les bontés, la louange de Dieu upon your life. Sur votre vie. In Jesus' dans name. Le nom de Jésus. In Jesus' dans name. Le nom de Jésus. Let there be goodness. Qu'il y ait de and bonnes choses. Mercy. Laisse que le bonheur et la grâce vous suivent tous les jours of your life. De ta vie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. God bless you. Que Dieu vous bénisse.